allons chercher Roxy. Sans que c'était là. Oui, je la vois. Yes. À sortir de ce trou. Allez, direction la Bosnie. Let's go, sortons split. Et ensuite, on prendra la route nationale encore une fois pour aller en Bosnie. Let's go. Attention, nous arrivons à la frontière de la Bosnie. Oh, passeport. It's okay? It's okay. Thank you very much. Bon, là je crois que nous sommes vraiment en Bosnie. Yeah. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow then it's done for you. Je suis déjà sur 120 km de réserve là, ça commence à faire. On va se faire le plein. J'ai hâte de voir le prix que ça coûte. Ah merde. 316. Faut que je regarde combien c'est la monnaie ici. Donc j'ai payé 39 d'une monnaie que je ne connais pas. Je ne sais pas combien ça marche. En tout cas, c'est pas sans son contact. Je vais aller plus loin, regarder combien ça coûte. 39,62, 12 litres. C'est-à-dire qu'il me reste encore 3 litres dans le réservoir, même après 120 km de réserve. Ok, c'est bon à savoir. Je sais vraiment pas grand-chose de la Bosnie, pour être très honnête. J'avoue que c'est pas le pays que j'ai le plus préparé, on va pas se mentir. Donc ce sera une découverte en live. En tout cas, so far so good. Première fois que les papiers de Roxy ont été demandés. Tout va bien. Ça a l'air de passer. C'est tout bon. Let's go. Voir les chutes de Kravica. Kravica Oasis Record. On va se garer là et on verra bien. J'ai pas de monnaie locale. J'espère que ça va être possible. Soit que ce soit gratuit, soit que ce soit payable en carte.
déjà la bonne nouvelle c'est que c'est gratuit, c'est très bien, même le parking est gratuit. Donc on va descendre aller voir un petit peu les cascades de Kralika. On peut se baigner, je vais pas y aller, je suis en complète tenue. Ça va pas être vraiment très très confortable pour faire la descente et la montée, mais bon c'est juste pour vous truquer, de toute façon je comptais pas y rester longtemps. Ça valait le détour, c'était sur mon chemin. Donc allons voir ça, j'espère que ça va être sympa. C'est alors le coup, en tout cas je les entends déjà. Je sais pas si ça entend la caméra, mais ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Il y a personne, c'est trop bien, on peut se baigner, moi j'ai pas le faire. Il y a personne et franchement c'est très propre. Et je pense que se baigner là ça doit être vraiment vraiment sympa. Allez, let's go back to the world. Donc objectif de l'après-midi, ça va être de relier Mostar. On va faire un petit arrêt, voire deux arrêts sur des points intéressants que j'ai vus en faisant mon trajet. Allez, c'est parti, allons voir tout ça. Voici le premier petit point d'arrêt qu'on va faire sur notre route. C'était sympa, écoutez, c'était sur la route, donc encore une fois, on s'y arrête. Je pense que c'est une des attractions de Bosnie en plus, hein, donc, mais c'était cool, franchement c'était bien, ça valait le coup. Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Impressionnant. Les directions, le prochain point intéressant, qui est une mosquée. Pour être très honnête avec vous, ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup, enfin moi j'ai trouvé que ça valait pas le coup. En plus j'ai payé l'entrée 5€ et en fait bah y a rien quoi, c'est juste des salles de prière, j'avoue que ça m'a pas trop servi. Donc si vous passez dans le coin, bah franchement vous pouvez venir, mais enfin ça sert à rien de rentrer dedans quoi, c'est juste des pièces avec des tapis au sol. Mieux vaut faire le tour directement, ce que j'ai fait après, et au final c'est très bien. Mais c'est aussi à mon avis très bien pour venir manger parce qu'il y a plein de restos qui ont l'air cool, à mon goût surcoté. Voilà. Allez, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir se rendre sur Mostar tranquillou. Allez, rendez-vous à Mostar, let's go!
Et voilà, donc bien arrivé à Mostar après cette journée plutôt sympa, assez courte, mais avec pas mal de petites étapes, donc c'était plutôt, plutôt bien rythmé. Voilà dans l'appartement Airbnb que j'ai loué. Honnêtement, il y a à peu près tout. C'est plutôt clean, c'est cool, et surtout il y a un parking, pour la moto. Et franchement, pour moins de 10€ par nuit, je pense que c'est plutôt un bon plan. Et voilà, donc c'en est tout pour aujourd'hui. Allez, à demain, ciao. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle journée en direct de la ville de Mostar en Bosnie-Herzégovine. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on repart sous la pluie. On est arrivé sous un soleil et 25 degrés, on repart sous une pluie et 10 degrés, donc j'ai un peu perdu au change. Toujours est-il qu'aujourd'hui le plan ce sera de continuer un petit peu en Bosnie, on va remonter vers le nord. Je vais essayer de reprendre les pistes du Trans-Euro-Trail, notamment pour remonter sur la colline qui se trouve juste à côté de la ville de Mostar, où il y a normalement une forteresse, la forteresse de Glava. Donc je vais passer rapidement. Et ensuite on remontera dans les montagnes. J'espère sincèrement pouvoir rouler les traces que j'ai prévues, parce que la météo sera potentiellement un problème. Donc ce sera l'inconnu et l'incertitude de cette vidéo. Et ensuite nous nous dirigerons probablement demain matin ou ce soir, en fonction du temps que je vais avoir en fin d'après-midi, soit pour passer le Monténégro, soit pour bivouaquer ici en Bosnie, pas loin de la frontière donc du coup du Monténégro. Allez, let's go, c'est reparti. Bienvenue en Bosnie-Herzégovine. Ça souffle, hein. Ça souffle, ça souffle. Ah, c'est dommage hein, ce temps, parce que vraiment ça a l'air beau ici. Hein. Avec un soleil, ça devrait être incroyable. Donc ouais, bah tant pis, hein, on va faire comme ça. Le problème, c'est que j'ai regardé la météo hier. Ils annonçaient de la pluie aujourd'hui et pour demain, c'était censé être mieux. Ce matin, j'ai rafraîchi la page et le programme, c'est qu'il pleut pendant 3 jours. Je dois vous avouer que s'il pleut pendant 3 jours, ça va être un petit peu compliqué. Je vais pas forcément être en plein kiff, mais bon, c'est comme ça, hein. On choisit pas. J'espère juste que je vais pouvoir avoir un petit peu de ciel dégagé pour demain, surtout pour le Monténégro. J'aimerais bien voir quand même le canyon de Tara et la baie de Kotor sans nuages, avec un peu de soleil, ce serait top. Pour aujourd'hui, tant pis, c'est pas très grave, c'est que de la route ou de la piste, je sais pas exactement. Ok, donc je viens de dire qu'il y avait principalement de la route, parce que sur la carte c'était indiqué comme de la route. Visiblement ça va peut-être être beaucoup de pistes aujourd'hui. Oh là là. Du gros caillou comme ça là. Pas le plus facile à rouler. Hein. La direction est extrêmement floue. Ouh. Bon, on va aller en haut de cette montée. Puis on va revoir ce qu'on fait. Oh là là, première fois que je la fais tomber par terre. Ouh. Bon, on va essayer de la relever, ça va être un premier relevé de ce voyage. Allez, c'est parti, j'espère que ça va le faire. Sens de la pente,
Je sais pas si on peut le voir à la caméra, j'ai vraiment du mal, faut que j'ai la décharge. Il pleut depuis le début de la journée, mais au moment de remettre les bagages, c'est une véritable tempête qui s'abat sur moi. Putain, pour refaire un petit point sur le GPS, et on va faire demi-tour. Je vais essayer de prendre une autre route en espérant que celle que je vais trouver ailleurs sera pas comme ça. Parce que celle-ci est compliquée. Hein. Mais là, j'avoue que ça a un peu pas d'intérêt parce que on va... Ouais, je vais juste galérer en fait pendant des heures et des heures dans de la caillasse. Mais je vais pas pouvoir profiter de quoi que ce soit parce qu'il y aura aucun point de vue, rien du tout. Et en plus de ça, si jamais à un moment ça repasse en terre, parce que là les cailloux c'est un peu compliqué à rouler, mais franchement ça va. Mais si à un moment il y a de la terre, je serai foutu parce que à mon avis ce sera plein d'eau. Donc pour rester raisonnable, on va faire demi-tour et j'ai essayé de trouver une route normale. Allez, c'est parti. Croise les doigts. En tout cas là je suis rincé de chez rincé, je suis complètement trempé. Donc ça peut pas être pire. Au niveau eau, je suis bon là, je suis au niveau zéro de confort. Donc je peux pas être pire. Donc écoutez, on va rouler comme ça. Allez, c'est parti. Yes. Let's go. Malheureusement, je vais vite me rendre compte que j'avais complètement faux. Les conditions météo qui m'attendent me réservent bien d'autres surprises. La pluie commence à traverser mes protections de pluie, c'est la loose. Je vais être complètement trempé. Je vais essayer de trouver un endroit pour aller prendre un café là. Il n'y a pas un petit village, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi faire. Est-ce que je continue pour aller vers l'Albanie dans les montagnes? Parce que là, les montagnes, ça va être un enfer. Il faut que je m'arrête parce que là, je sais pas quoi faire. Je suis complètement paumé dans mes plans et du coup, ça m'a. J'ai tenté, je savais que ça allait être potentiellement compliqué. Je pensais qu'il allait pleuvoir, ça c'était sûr. Mais là, de là, ça pleuve vraiment beaucoup, avec beaucoup de vent, etc. Là, ça change tout. C'est plus du tout la même affaire. Pas localisé, c'est ça le problème, c'est que ça va durer toute la journée comme ça. Je vais me retrouver rincé jusqu'à l'os. J'ai pas spécialement envie de choper une crème, ni d'abîmer mon matériel. Parce que clairement, tout ce qui est électronique, etc., ça va sûrement pas du tout aimer. Là, la caméra, je suis vraiment surpris qu'elle fonctionne encore. Enfin, surtout celle avec le micro, parce qu'elle est pas étanche. Le téléphone, pareil. Donc, dans mon sac à dos, j'espère que c'est vraiment étanche, parce que sinon, je suis dans la... Bref. Donc, je vais essayer de m'arrêter là, parce qu'il faut que... faut qu'on voit les plans. Ah là 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 là. Pipi, monsieur l'agent. Bienvenue à Mevesinj. Excusez-moi, bar. Enfin, un café. Bon, un petit point sur la situation. Je me suis calé dans une station service sous le car wash pour pas gêner. Je vais attendre un petit peu. J'avais un problème, c'est que mon téléphone, la prise USB a pris l'eau et donc du coup il chargeait plus et j'avais presque plus de batterie. Donc j'ai bataillé pendant à peu près 10 minutes là, avec un mouchoir pour essayer de l'enlever de l'eau. Apparemment là ça recharge, donc je vais la charger un petit peu. Et ensuite j'ai regardé ce que je vais faire. Là vraiment c'est pas du tout possible. Je vais pas continuer vers le nord, je vais pas aller voir ce que je voulais voir au nord. C'est honnêtement pas raisonnable. Et le problème c'est que j'ai pas internet, donc je peux pas réserver forcément de trucs à distance pour un hôtel ou une auberge, etc. Ce que je vais faire c'est donc d'aller à Dubrovnik. Qui est en fait en Croatie, pas très loin d'ici, c'est-à-dire qu'en fait il y a une petite partie croate au sein de la Bosnie tout au sud, donc, qui longe la côte finalement.
Et je vais essayer de, bah, du coup d'aller à Dubrovnik, retrouver un hostel, donc une auberge, pour au moins ce soir, peut-être demain, je sais pas, faut que je voie le temps, mais là il y a des orages, etc. C'est vraiment, vraiment un temps, mais terrible. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas choisi le bon jour pour quitter Mostar, malheureusement. J'aurais dû rester peut-être une ou deux journées de plus. C'est pas grave. Changement de plan, donc du coup je vais aller à Dubrovnik, c'est 170 km. Je voulais camper soir, c'est impossible de chez impossible. Donc voilà. Et eh bah écoutez, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver ce soir à Dubrovnik. Parce que là, là c'est pas que du plaisir, hein. Je dois vous avouer que c'est un peu dur. Je commence à entendre du tonnerre au loin et me prépare donc à faire 170 km sous un véritable déluge. Je change donc mes gants et retire le micro de la caméra pour éviter la noyade. Ce sera donc voix off jusqu'à Dubrovnik. Descendant de l'autre côté de la montagne, le temps s'améliore un peu, mais j'ai pris une véritable douche. Mes bottes sont tellement remplies d'eau qu'il m'est difficile de lever les pieds pour marcher. Mon téléphone a également pris l'eau et je dois de nouveau faire une pause pour le laisser sécher. J'en profite donc pour avaler un sandwich dans un cadre magnifique, avant de reprendre la route. Le ciel noir et l'air chargé d'humidité procurent aux plaines que je traverse une ambiance dystopique sur près de 100 km. Et ce, jusqu'à mon arrivée en Croatie. Je longe la côte croate qui doit être vraiment magnifique avec du soleil, mais malheureusement la pluie refait son apparition. Cela semble presque irréel, mais je me sens désormais confortable sous ces conditions. La température est remontée et je n'ai plus du tout froid. Et je pense que je me suis habitué à mes vêtements trempés. Avec la luminosité qui baisse rapidement, j'ai vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. J'arrive finalement à Dubrovnik en fin d'après-midi. Je vais y rester quelques jours pour attendre de meilleures conditions météo et en profiter pour essayer de faire sécher mes affaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et on se retrouvera à la prochaine. Ciao !